Salut à tous les amis. Alors aujourd'hui, je me trouve à la frontière espagnole, devant l'entrée d'une ancienne mine. Alors, il faut savoir que les Pyrénées-Atlantiques ont été exploitées sur une durée de plus de 2000 ans pour le fer, le cuivre, l'or, le plomb et même l'argent. La mine où je me trouve date de l'époque moderne. Le tunnel d'entrée entièrement maçonné débouche sur les premières galeries. Ce n'est que très récemment que je m'intéresse au passé minier des Pyrénées-Atlantiques. Les informations trouvées font état de larges prospections dans les années 90 et le début des années 2000. Les sources les plus nombreuses viennent des exploitations modernes du 18e et du 19e siècle. Et certaines exploitations remontent à plus de 2000 ans. Donc là, je vois la lumière du jour. Je vais vous donner une autre sortie, une autre entrée que vous voulez. C'est les restes d'un ancien mur de retenue. Là, on voit les anciens trous de forage. Comme vous voyez, un vrai cours d'eau s'est formé dans cette ancienne galerie principale de mine. Vous voyez les piquets qui dépassent, ce sont les restes d'un treuil. Qui ramenait le minerai. On voit encore les rails. Alors vous revenez les wagonnets. Là vous voyez, c'est entièrement inondé. Vous voyez, il y a encore un fil d'Ariane, certainement pour les plongeurs qui ont été explorés ces galeries de mines. La présence d'une source a noyé totalement le réseau inférieur. Alors, on vient de par là, on voit la lumière. On continue.
Traverser ces galeries me donne une impression particulière. J'imagine les mineurs y travailler, avec comme seul éclairage leur lampe à carbure ou à pétrole. Et voilà. Et comme vous voyez, la galerie est effondrée. Faire un petit tour. Ici, c'est inondé. Ça continue, mais... Mais la visite se termine pour aujourd'hui. On m'attend à l'extérieur. J'ai repéré une autre galerie à côté d'anciens bâtiments, au bord de la route. Les fortes pluies ont en partie rempli la galerie d'eau. J'y retournerai dans quelques semaines.